Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, retour dans le passé. Objectif? Ah, on va pêcher la cuillère, hein, Youssef? C'est les périodes d'antan. C'est ça, les périodes d'antan. Je vais vous faire un petit tuto parce que je pense qu'on commence tous par la cuillère. Et je me posais la question tout à l'heure dans la voiture, ouais, parce que parfois je me pose des questions. Pourquoi on pêche plus à la cuillère? Pourquoi on essaie toujours d'essayer de nouveaux produits? Crank, stick, jerk, worm, shad, finesse. Alors qu'avec la cuillère, on pourrait s'éclater à pêcher comme d'antan. Moi, quand j'ai commencé la pêche, c'était direct la cuillère. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir et beaucoup de poissons grâce à cette technique qui est simple, mais pas si simple que ça. Et mon objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer comment pêcher à la cuillère. C'est une question bête, c'est une question qui est facile, mais pas évidente. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Let's go. Allez, je vais vous montrer un petit peu quelques différences au niveau des cuillères, des différents modèles. Donc vous avez la classique, la cuillère tournante, comme ça, donc souvent soit armée d'un petit pompon, d'un petit, une sorte d'imitation d'œuf, ou sans rien du tout. Donc il y a différentes tailles, différentes formes de palettes aussi, juste ici. Vous avez aussi les cuillères un peu différentes, la palette est percée, c'est pas un œillet, c'est carrément la palette qui est percée. Alors celle-ci vous permet de pêcher plus facilement dans les courants, c'est-à-dire qu'elle va s'animer vraiment beaucoup plus rapidement. Et vous avez aussi les cuillères ondulantes qui sont une version totalement différente, mais celle-ci on va pas l'utiliser parce que c'est pas vraiment le but. Celle-ci va servir à pêcher un petit peu plus creux, pouvoir vraiment descendre au niveau des trous tout simplement, et pour aller chercher les poissons qui sont calés dedans. Allez, mon objectif du jour, c'est de pêcher avec ce type de matériel et on va voir comment ça va se passer, hein, mon petit Youssef. Ça va marcher, ça va marcher. Hey, petite question, oui. Agrafe ou non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça, c'est une excellente question. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser d'agrafe, même si normalement, il faut utiliser des émerillons rolling. Pourquoi? Pour éviter de vriller la tresse. Parce qu'on pêche en tresse ou en nylon d'ailleurs. Et il est préférable d'utiliser justement des émerillons rolling pour pouvoir pallier au fait que la cuillère va tourner, du coup va faire tourner aussi le fil. Mais aujourd'hui je ne vais pas l'utiliser parce que j'avais pas l'utilité. Donc si vous pêchez que à la cuillère, bien évidemment je vous conseille de mettre ça. Je vois parfois des montages un peu farfelus, mon gars. Une fois j'avais vu un petit, alors qu'on débute tous, hein. Effectivement on essaye différentes de choses. Et en fait le gars, sur sa ligne, il avait monté une cuillère comme ça, une cuillère comme j'ai moi. Et en fait, devant, genre à 20-30 cm, il avait mis une grosse olive, mon gars. En fait, si tu veux, c'était pas bête son idée, parce que lui, ce qu'il pensait, c'était aller plus profond, tu vois. Ah. Mais moi, je pense pas que la cuillère est faite pour vraiment aller très profond. Alors, ça dépend des poids, bien évidemment. Mais pour moi, c'est comme à l'instar d'un spinnerbait. C'est vraiment pour aller entre deux eaux ou juste sous la couche d'eau. Volatile. Pour que ce soit planant, pour que le poisson puisse le visualiser. Et quand on sait très bien que le poisson, quand il chasse, il a souvent la tête en l'air. Un peu comme nous. Mais nous, c'est différent. Et du coup, ça sert à rien d'aller au fond. Enfin, en fait, c'est pas l'utilité réelle de la cuillère. La cuillère, ça va plus être utile pour aller chercher les poissons et provoquer les touches. Et en plus, c'est un leurre qui est vraiment facile d'utilisation parce qu'il y a juste à lancer et à ramener. Et les palettes vont s'activer très facilement grâce au courant 1 et grâce au fait qu'on ramène la cuillère. Alors, on va essayer de pêcher d'amont en aval ou d'aval en amont. Vers là-bas. Et si amont aval, c'est dangereux quand même. Vers là-bas. Vers de là à de là. Voilà. C'est on va de là à de là, voilà. Allez, c'est parti, on va faire le premier lancer tous ensemble. Bordeaux a gagné d'ailleurs. Ouais, pour une fois. Non, mais parce qu'ils sont en D2, c'est normal. Allez, Gironde. Bref, allez, c'est parti. Comme disent les Américains, first cast. Et on y va. Alors, au niveau de la canne, il faut quelque chose d'assez léger. Oh, il y a quelque chose qui me suit. Oh, raté. Tu l'as vu ou quoi? Ouais. Ah ouais, toi, t'as pas raté, toi. Oh là là, poisson pour Youssef. C'est un poisson de pierre. Après le poisson lune, ah ben en plus tu t'appelles Pierre. Ben, tu ouais, t'appelles... Ça. Ouais, c'est poisson de Pierre. Révélation. Oh, regarde les remous que t'as là-bas. Ouais. C'est moi, je crois que c'est ça. Non, il y avait un poisson derrière. Bon, Pierre est accroché. Oh Olé.
l'arbalète. L'arbalète roumaine. Ça, alors ce qui est intéressant dans cette technique, c'est que vous allez pouvoir juste alterner la vitesse de récupération pour pouvoir essayer de faire du poisson. Donc c'est ça qui est cool. Plus ou moins vite. Parfois ça tape même à la descente. Hein. Mais là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça sert à rien de... C'est ça la triste réalité, c'est que l'été maintenant, il n'y a plus beaucoup d'eau. Oula. Là, j'essaye pas de les pêcher, j'essaye de les assommer, là, les poissons. Il n'y a plus beaucoup d'eau, du coup, c'est pas... Oh. Poisson. Allez, premier poisson. Oh, oh non. Non, il est toujours là. Ah, premier poisson pour l'Amius. Voilà. Voilà, comme quoi... Oh, c'est un beau poisson, en plus. Ouais. C'est un super... C'est quoi, un barbeau? Ah non, c'est un chevet. Super, ça. Bon, et ben, premier poisson à la cuillère. Et je pense que ça va pas être le seul. Évidemment, c'est... Ils sont là. Et puis, c'est aussi une... Une manière de pêcher très facilement. Hop, alors là voilà. Le petit moins dans ces cuillères, ouais. C'est les triples. Ouais. Et souvent c'est pas facile de décrocher, mais bon. Voilà, un beau petit chevel. C'est des poissons qui répondent bien à la cuillère. Et du coup voilà, ça permet de faire gaver de poissons. Bien joué mon pote. Tu ouvres le bal. J'ouvre le bal. On est au mois d'avril. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Le bal du mois d'avril, je ne sais pas comment. Bien joué, mon gars. Toi, tu as choisi une cuillère alors, différente. On la prend souvent pour la... Pour la truite. Ouais, la truite. Hein. C'est couleur. Et elle marche bien sur les chevelles. D'accord. Donc, point jaune, corps noir. Alors, j'ai remarqué ici, parce qu'on a fait plusieurs fois, oui. Que les couleurs flashy, ça marche pas. J'ai l'impression que ça leur fait peur. Les couleurs flashy, ça marche pas. Ouais. Plus foncé, quoi. Non, flashy. Ouais, mais il faut plus de foncé. Quoi. Voilà, il faut que ce soit foncé. D'accord. J'ai remarqué que moi, tout ce qui est orange, jaune fluo, ici peut-être, ça marche pas. D'accord, ok. Bon, intéressant. Ils sont tellement méfiants que je me dis que c'est une couleur qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans l'eau et ça les effraie. Peut-être. Ouais, c'est possible. Bien joué en tout cas. Merci. Je te félicite. J'en suis congratifié. J'en suis congratifié. Je viens tout début d'en venir ici, je pense que c'est la cuillère, je connais. D'accord, je sais pas. Je l'ai retrouvé, celle que je voulais là. La saveille déjà. Ah, tu me reprends la même chose que ça là. Oh, poisson. J'ai fait un tout petit poisson, moi. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Une perche? On appelle. Oh non, un... Oh, un bébé. Un bébé cheval. Oh, il est minuscule, mon gars. Oh la vache. J'aurais jamais cru prendre un truc aussi petit, quoi. Alors faites attention hein, quand vous manipulez votre triple. Mais regardez ça. Bon, allez, je vais le remettre rapidement, mais il est tout petit, mon gars. Une miniature. Oh non, mais c'est dingue. C'est excellent. C'est son portrait craché. Bon, mais ça fait le deuxième poisson, c'est cool. Avec cette petite cuillère, on s'amuse bien. Alors, c'est facile. Généralement, on pêche quand il y a du courant comme ça. En fait, on se met comme ça, vu que le courant va vers là. Tu pêches en trois quarts, en fait, tu descends. Mais là, vu que là, il n'y a pas trop de courant, on peut pêcher... En montant. Il l'animer directement, sinon il va. Ben là, comme toi, tu vas t'accrocher quoi. Alors moi, je suis un peu plus léger que toi, donc du coup, je peux me permettre d'être moins rapide à la détente. Mais. Enfin, franchement, je pensais pas que la cuillère, ça allait être aussi flagrant que ça. Ouais, poisson. Non, mais c'est dingue. C'est dingue, mec. C'est dingue. Deuxième poisson, les gars, en moins de 10 secondes. Et. Ah, perche. C'est une perche. C'est une perche, voilà. Voilà, une petite perche. Ah, c'est super ça. Eh, pourquoi se casser la tête à pêcher avec Chad et tout? Deux espèces. Deux espèces en moins de 10 minutes. Ah. Voilà, petite perche. On va remettre à l'eau rapidement. Allez, bye bye, non, salut. Ah, pendant que Youssef attrape les arbres. Bravo Youssef, superbe. C'est sympa parce qu'on pêche vraiment les pieds dans l'eau et ça c'est cool tu vois. Ce serait bien un gros fish là. Un bon gros fish. Mais il se pique hyper facilement, c'est ça qui est cool tu vois. Ah ouais? C'est fou comment il réagit super bien à ces vibrations. En fait c'est juste la palette qui tourne donc du coup ça fait des vibrations. Alors, qu'est-ce que ça imite? Un poisson qui s'en va? Un poisson... Je sais pas, c'est bizarre quand même. Ouais, j'en mets la langue à coucher. Hein.
On va regarder après c'est quoi la création de la cuillère. Ouais, pourquoi? Qui a eu cette idée? Qui a eu... Ah, raté. Ah non, poisson. Non, raté. Non, c'est que j'ai... Alvin. Alvin. Rien du tout. Ouais, ça peut être intéressant ça, de savoir. Ouais, qui a... C'est monsieur cuillère qui a inventé la cuillère. Ça existe toujours d'ailleurs. Bah, après, c'est plus des cuillères ondulantes pour les brochets. Ouais. Oh, ouais, fiche. Allez, perche. Mi perquette. Bravo, mon ami. Oh, bon, franchement. Merci. Eh. Oh là. Mec, c'est ultra pêchant en fait. Oui. T'as vu ça? La dernière fois au Chad, on est passé là et on n'a rien fait là, mon gars, à la cuillère. Pourquoi se prendre la tête en fait finalement? Hein? Qu'est-ce que ouais, t'en penses? En 2022, la mode. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, en fait, hein. Ouais, c'est ça, ça en fait. C'est de mode. Hein. Parce qu'à l'époque, moi je pêchais à la beaucoup. Cuillère, c'était jackpot. Hein. Oh là, petite perchette. Super ça. Bye bye. Ouf, comment l'a speedé, mon gars? Ping pong poum. Après 17 minutes, on a fait 120 poissons. Vas-y, bah, je vais regarder. Hein. Qui a inventé la cuillère pêche. Wikipédia. Non, c'est Google. Le lancement aux États-Unis. Le moment de cette cuillère a dû. Non, c'est pas ça. Cuillère, Wikipédia. Ah, tu vois, là, on en apprend beaucoup. Mais lui, c'est plus la cuillère ondulante. Pour pêcher à la traîne ou au moulinet, en rivière ou en mer. Le but d'une cuillère est d'imiter un comportement d'un poisson nageant dans l'eau pour qu'un poisson prédateur tente de l'avaler. Ok. Bon. Bon, intéressant. Merci Wikipédia. Ça fait plaisir. On va dormir... C'est instantané là-bas. Pendant que... Toi, t'arrêtes pas t'accrocher, toi. Ouais, c'est instantané là-bas. Bon. Et bien, comme ça, on dormira moins bête. Hein? N'est-ce pas Youssef? Moi tous les jours. Hein. Tous les jours, moi tous les jours je dors moins bête. Hein. Parfois j'apprends rien mais je dors moins bête. Oh, devant moi. Oh poisson. Oh raté. Oh mais c'est trop fun ce truc là mec. Mec c'est trop fun. C'est un truc de fou. Ça mord mais... Putain mais pourquoi se prendre la tête avec des leurres mec? Alors que la cuillère c'est si simple. C'est si simple. C'est dingue, hein. C'est vrai, hein. C'est dingue. C'est dingue, c'est son portrait craché. Bon, il n'y a pas vraiment de secret pour pêcher avec cuillère, tu lances sur amène. Après, t'as peut-être les endroits, tu vois. Les endroits, peut-être les trucs un peu plus... comment dire, avec du courant, un peu plus oxygéné, surtout en cette période estivale où les poissons ont chaud, du coup c'est plus intéressant de les pêcher dans des endroits oxygénés comme ici. J'ai fait un poisson branche. Ah, c'est une espèce invasive des Amériques latines. Bravo, belle release. Super. Ah, je me suis accroché. Accroché. Ah, c'est ça le problème, à la cuillère, souvent on s'accroche. Pour ça, si en mettant les sèmes, tu minimises un peu aussi. C'est vrai. Ah, t'es bien là. Oh, au bord mon gars. Oh là là, je me suis fait attaquer juste ici quoi. Mec, c'est trop fun la cuillère. C'est trop fun. Mais c'est trop fun la cuillère. C'est trop fun. C'est trop fun. C'est trop bon hein. Ah, je pensais pas que ça... Eh, je pensais pas. Hein. Bon bah là, ça sent le poisson ça. C'est un lancer pour un poisson, ça. Ah, je crois que c'est derrière. Ah, un trailer. Il pêche à la mouche. Ça se jette bien. Ouais, franchement, c'est simple. C'est méga simple d'utilisation, en fait. Je pense que
finalement, le plus simple, c'est d'utiliser ce genre de leurre. Franchement, il n'y a pas plus simple. Parfois, on se prend la tête, mais... J'ai buté la cuillère pour apprendre les sensations. Ouais, pour... C'est un bon truc pour savoir si c'est le sol, pas le sol, poisson, pas poisson. Ouais, ça tape bien, ça ouais, tape bah ouais, ouais, ça fait des beaux tacs, mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est voir comment le leurre se comporte par rapport au courant, tu vois. Le fait de passer à côté des obstacles, d'essayer de pêcher plus ou moins rapidement, de voir si les poissons réagissent avec une accélération ou avec un truc plutôt linéaire ou alors avec une pause, tu vois. C'est intéressant de voir ça, de ramener plus ou moins vite, parce que finalement la cuillère, ok, tu lances, tu ramènes, bon, ça c'est le plus simple, mais finalement je pense qu'il y a plusieurs types d'animations qui font que tu peux déclencher les poissons ou pas, tu vois, ou plus de poissons, oui, tu penses, hein. Ouais, ralentir, faire des pauses, ouais. Voilà, accélérer, stop and go, c'est-à-dire accélérer, faire une pause, accélérer, faire une pause. Tu vois, c'est, je pense qu'il y a plusieurs animations. Et finalement, on se dit, la cuillère, c'est pas polyvalent. Peut-être, peut-être. Tu sais, parfois, j'ai vu des gens, t'essayes tous les leurres possibles, hein. Shad, jerk, spinner, etc. Le mec met une cuillère, boum, il fait du poisson. C'est ça qui est ouf, en fait. Tu vois, c'est ça qui est vraiment ouf. Va comprendre. Parfois, ils veulent des petites vibrations, comme ça, là, des petites vibrations... avec la cuillère et tout. Moi, qu'est-ce que j'ai fait du poisson à la cuillère? C'est des souvenirs d'enfance, tu vois. Mais finalement, je pense que dans des conditions comme ça... C'est jamais disparu. Non, 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 il faut pas. Faut pas. Ça reste un leurre ultra efficace. Et quand on débute, eh ben, ce qu'on cherche, c'est plus l'efficacité que vraiment se casser la tête à trouver la meilleure technique. C'est quoi là-bas? C'est du poisson là-bas? Oh mec, t'as vu? Un rat peut-être, hein? Un ragondin. Un ragondin, la cuillère. Ça serait chaud. Bon, Yous, on a fait d'amont en aval. Maintenant, on va faire d'aval en amont. Ou d'amont en aval. Bref, de haut vers en là-bas. Vers là-bas, encore une fois. Là, on a fait de bas en haut. Et, c'est-à-dire face au courant. Maintenant, on va descendre le courant. Alors, ça va être plus facile de pêcher, je trouve. Parce qu'on va pouvoir pêcher plus lentement. Le ouais. Courant va surélever la cuillère. Va activer les palettes directement. Donc, ça va être plus simple. Alors, est-ce que les poissons vont répondre dans ce sens? On verra. On verra ça. Allez, c'est parti. Voilà. Poisson pour Yous. Oh, c'est beau. Ouais. Super. Oh, c'est un beau poisson, hein. Oh, ouais, c'est chub, hein. Non. Ah non, c'est perche. Oh, c'est une belle perche. Elle est belle. Pour le secteur, c'est vraiment une belle perche. Ouais. Bien joué, frérot. Voilà ce qu'on disait, les perches sont fofolles. Ouais, c'est ça, hein, les chevennes, ça va être plus difficile à la descendre parce que. Là, maintenant, dans ce sens-là, ça va être très difficile. Bien joué, ça. Bien, ça, c'est une belle perche. Franchement, c'est une belle pêche pour ouais. Le secteur. Hein. Allez. Voilà, nickel. Et bien. Et voilà. Voilà, ça fait 20 cm, 25 cm. Nice. Allez, va voir tes sœurs et tu lui dis qu'on arrive. Pardon. Bonsoir. Allez, ça y est, c'est terminé. Cette session à la cuillère est finie. On s'est bien éclaté. Ouais, c'était pas mal. Match retour, pas grand chose. Non. À la descente, ça me paraissait normal. Étant donné qu'on est à contre-courant, du coup, on effraie les poissons qui ont la tête face au courant. Du coup, ils nous voyaient arriver depuis un moment. Du coup, ça les effraie. C'est comme ça, c'est comme la chouette. C'est la chouette effraie. Gardez-la, celle-là. Ah, elle est bonne. Et franchement, c'est cool de revenir un petit peu dans le passé et se remémorer des souvenirs d'enfance à la pêche à la cuillère. Mmh. C'est simple, mais pas si simple que ça, finalement. Non. Ça demande un petit peu de temps d'adaptation. Effectivement, il ne faut pas avoir Bac plus 12 en pêche pour pêcher à la cuillère, mais je pense qu'il y a des choses à maîtriser. C'est un bon début pour pouvoir comprendre. Ça permet de s'améliorer, de se perfectionner. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Essayer de se perfectionner encore plus, comme disait Youssef, et d'essayer d'apprendre, de voir comment se comportent les poissons, de lire le courant, plein de choses qui sont indispensables. Parce que la pêche, c'est pas juste lancer un leurre et ramener. Non. C'est aussi réfléchir
réfléchir pourquoi on prend pas de poisson, réfléchir comment se comporte le poisson. Parce que même si on connaît mal ses cannes, en ramenant un leurre, on peut avoir 2-3 tapes, mais on n'arrive pas à différencier les vibrations des fois du leurre, comme un crank, un spinner. Ouais. Et des fois, le poisson, il vient, il tape 2-3 fois. Et s'il y a un petit peu plus de tact dans le savoir, et peut-être que le poisson il prendra plus vite. Voilà, et puis tu vas savoir différencier entre le contact avec un caillou et la touche. On me demande souvent, ouais, je sais pas quand est-ce que j'ai une touche. Mais c'est difficile à dire. Le truc, c'est que tous sont souvent un toc ou alors une tirée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, et moi? Puis la meilleure plage pour apprendre, c'est la Cano, la plage de la Cano. Oh. Non, non, 2-10, ouais, ultra 3-15, 2-10. Ouais, maxi, maxi. C'est vraiment et cool. Et après, arrêtez de prendre vos cannes casting. Pour la pêche à cuillère? Non, quand on sait pas pêcher. Pour l'instant, apprenez à pêcher en spinning. Et après, c'est juste une aisance. Le casting, c'est juste une aisance. C'est ça. C'est un confort de pêche supérieur, on va dire. Exactement. Mais en tout cas... Mais rien ne vaut ça. Les bonnes petites cannes. C'est ça. Et en tout cas, on s'est bien éclaté. Moi, j'ai kiffé. Ce matin, c'était la folie. Et l'après-midi, un petit peu moins, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, on se laisse. Merci, mon frérot. Merci à toi. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas d'avoir la playlist débutant de pêche. Ça permettra de vous aider à pêcher, j'espère. Avec mon humilité et mon humble connaissance, j'essaie de vous aider à pêcher le maximum de poissons et à vous sortir des situations les plus difficiles quand vous prenez pas de poissons. Merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, c'est que de la pêche. Bye bye.